Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir très nombreux à suivre cette émission axée sur des questions d'actualité. On va aujourd'hui aborder un seul sujet, principalement, c'est la feuille de route dévoilée par la CENI, une feuille de route qui fait le point sur les différentes activités que la CENI compte mener à dater du mois de janvier dernier jusqu'en 2027 pratiquement. On va essayer de revenir sur la question, mais aussi des contraintes soulevées par les présidents de la CENI. Il parle des contraintes logistiques, il fait les points sur la question du climat, les COVID-19. Bref, on va essayer de revenir sur cette question, mais aussi on va tenter aussi de parler des préparatifs des élections au niveau des partis et formations politiques. Comment ça se passe au niveau de l'Union Sacrée? Il est certes connu que Félix Tshisekedi va se présenter pour un deuxième mandat, mais il y a les camps Katumbi, il y a Jean-Pierre Bemba qui ne s'est pas encore prononcé. On va tenter de revenir sur cette question. Sur ce plateau, je reçois Manix Ilienda, on l'appelle Monsieur les volontaires de la République. Il est pressenti prochain député pour la commune de Mongafula. Espérons que tout ira mieux. Bienvenue. Merci beaucoup Hervé et Thomas. Un grand merci d'être invité sur votre plateau Congo Buzz pour parler de la République, parler de la nation, parler du peuple congolais, aussi parler de Volontaires de la République, qui est un mouvement politique que nous avons créé, effectivement, dans le cadre de faire accompagner d'abord le peuple congolais selon le vœu qui a été proclamé dans le préambule de notre Constitution, lorsque la Constitution nous disait, animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État fort, une nation forte au cœur de l'Afrique. Et donc, nous, en tant que Congolais, nous venons avec nos volontés individuelles, autant collectives, pour apporter notre pierre de contribution afin de bâtir un pays plus beau qu'avant. Cela constitue effectivement notre responsabilité en tant que citoyens. Notre mouvement, nous avons une très grande vision en termes de gestion de la Respublica, parce que nous faisons un combat politique des valeurs, un combat politique sacré, et je pense, ensemble, avec le président de la République, parce que nous sommes membres de l'Union sacrée de la nation, nous avons accepté de soutenir de manière indéfectible le président de la République dans ce premier quinquennat, avec le défi, effectivement, de répondre aux attentes du peuple congolais. Changement de look, désormais vous vous affichez avec ces vêtements. C'est quoi la symbolique même de ces gilets? Ces nouveaux accoutrements veulent tout simplement dire nous avions eu le temps de parler de la politique en termes de discours, des rhétoriques, d'éloquence politique, le verbiage, le cypersufflage. Et aujourd'hui, en 2022, nous, Volontaires de la République, nous disons 2022, c'est quand même une année d'action, une année où nous devons nous engager dans une dynamique d'action et non de discours. Et je crois que le président de la République en a fait mention lors de l'État de la Nation, lorsqu'il s'est adressé devant le député dans le Congrès. Il a dit, lui-même le président de la République, a décrété cette nouvelle année 2022 comme une année d'action. Et donc, pour Nabisso, bah, volontaire de la République, de lobby, 2022, Ezali année à Moussala, et Angotozan a tenu. Et à Moussala, c'est une symbolique, comme vous l'avez dit, qui traduit effectivement la philosophie du travail. Et donc, nous devons travailler ensemble avec le président de la République. Très bien. Alors, vous êtes également, comme je disais en termes de cette émission, pressenti député pour la commune de Mongafula. Il semble que vous avez une base très solide, une base qui vous porte, une base qui veut faire de vous son prochain. Je ne sais pas, mon porte-parole au niveau de l'Assemblée provinciale. Ça vous dit quoi? Bon, Mongafula, c'est ma commune. C'est ma commune des résidences. Comme vous le savez, chacun de nous a une source de provenance comme identité en termes d'adresse. J'habite dans la commune de Mongafula, mais mon combat politique que je mène, c'est un combat qui transcende la dimension communale. C'est un combat national parce que nous nous battons pour l'intérêt général du peuple congolais. Ça, c'est la première de choses. Et la deuxième de choses, nous avons une vision. Une vision braquée sur la gestion des entités territoriales décentralisées. Et déjà même dans notre mouvement, le Volontaire de la République, nous avons une cellule qu'on appelle
la cellule de leadership pour la gouvernance locale. Parce que nous devons imprimer un modèle de gouvernance au niveau local. Parce que si vous regardez la manière de gérer les ETD, les entités territoriales décentralisées, vous allez vous rendre compte que les vrais problèmes, en réalité, de notre pays, c'est tout au niveau de la base. Parce que vous, en tant qu'habitant d'un quartier, d'une commune, si vous voulez sentir la présence de l'État, effectivement, ça serait par le moyen d'un bureau du quartier ou par le service rendu du quartier. Or, si vous vous rendez vers le bureau de votre quartier, c'est alors que vous allez vous rendre compte que l'État n'existe pas. Pas d'infrastructure, pas un personnel qualifié, pas de matériel de travail aussi adéquat pour assurer un service public local de qualité. Et donc, tout ça là, ça constitue un problème. Alors que dans nos communes, dans nos quartiers, dans nos avenues, nous avons de sérieux problèmes qui se traduisent comme des priorités pour nos populations congolaises. Et moi, je pense, ensemble, avec le nouveau leadership local que nous allons imprimer, nous allons créer des vrais leaders communautaires, des vrais leaders locaux. Et les leaders locaux, pour nous, ce sont des gens qui seront capables de décanter le problème de leur avenue, de leur quartier, autant pour leur commune. Et donc, nous sommes là en train d'élaborer notre programme d'action par rapport à Vision Nabiso Nao Etali, gestion et entité communale. Et par là, nous allons pondre un programme d'action que nous allons présenter devant vous, les médias. Ces programmes qu'on appelle les rêves communaux. C'est dans ce rêve communal, nous allons faire voir à la communauté congolaise qu'il est possible de faire doter à une commune d'un budget de plus de 500 millions de dollars. C'est avec ce programme qu'on appelle le rêve communal que nous allons faire voir à toute la communauté congolaise, autant pour les responsables de notre pays, tout en commençant par le président de la République, qu'il est possible de considérer désormais la commune comme l'un des vecteurs du développement de la République démocratique du Congo. Parce qu'à travers notre programme, nous allons créer des écoles communales, nous allons créer des hôpitaux communaux, nous allons créer des services d'urgence médicale en mettant en place les ambulances médicalisées dans chaque quartier et dans chaque commune, tout en créant un service call center avec un numéro d'urgence médicale pour des interventions. C'est cela même la politique publique des santé, des proximités. Ça, c'est dans notre vision. Nous avons même prévu dans le secteur de l'éducation, au-delà de la création des écoles, qui, à une certaine mesure, serait un palliatif aussi important pour, effectivement, ajouter au programme de la gratuité de l'enseignement primaire axé sur le côté de l'accès au circuit de scolarité primaire, nous devons ajouter le volet de la qualité de l'enseignement en créant des écoles qui ajouteraient effectivement des infrastructures scolaires adéquates pour réellement rassurer l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire. Et nous, dans notre programme, je finis par là, nous avons aussi prévu ce qu'on appelle la bourse communale. C'est-à-dire, nous allons mobiliser un fonds au niveau de la commune par le fonds propre, parce que la commune, au-delà de taxes et impôts communaux qui existent déjà, la commune bénéficie aussi des 10% qui viennent de Caisse nationale des péréquations. La commune bénéficie aussi des 10% qui viennent de la taxe générale à caractère communal. La commune aussi a ce qu'on appelle les ressources financières exceptionnelles, c'est-à-dire avec la capacité managériale de notre leadership local, nous allons contracter des contrats de développement avec, par exemple, la Banque mondiale pour le développement de la commune, avec le FMI pour le développement de la commune. Et donc, nous avons une vision aussi vaste et nous allons le démontrer avec le chiffre en appui pour faire voir qu'il est possible de faire de nos communes des véritables vecteurs du développement socio-économique de la RDC. Très beau discours, un discours qui fait rêver, mais je crains qu'il puisse souffrir du désintéressement de la population qui a déjà entamé énormément de projets pareils. Puissant jour, Kimbepeto, Kimelenda, Zéro Tour, Chassassou, Minda, bref, des projets. Et craignez-vous pas que votre projet puisse également souffrir des intéressements de la population qui en a marre. Non, mais vous savez, on dit pour un corps sain, il faut aussi un esprit sain. Ici, nous portons des idées novatrices, c'est-à-dire nous-mêmes en tant qu'acteurs politiques, nous-mêmes en tant qu'acteurs, en tant que leaders locaux, nous allons transposer nos idées sur le plan pratique. Je vous ai dit, il faut rompre avec la politique des discours, la politique des éloquences, des rhétoriques, de supersifflage. Il faut migrer cette fois-ci vers la politique d'action.
Et ici, nous allons utiliser effectivement le système pragmatique pour faire voir à la communauté congolaise qu'il est possible, à travers des unités économiques qui existent déjà, mais aussi à travers le modèle de la politique managériale que nous allons effectivement imprimer dans le cadre de notre gestion au sein des entités territoriales décentralisées, nous allons rendre ces développements une réalité possible. Je vous donne quelques exemples patents. Est-ce que vous savez quand même que la commune, à travers les célébrations de mariage, si vous prenez ce montant-là, l'an, vous savez que la commune peut mobiliser beaucoup d'argent. Est-ce que vous savez que nos communes, en termes de démographie, nous avons de populations denses? Or, si nous avons de dirigeants ayant une certaine capacité managériale, on peut transformer nos populations, parce que la population est une plus-value. Dans un système économique, la population peut être considérée comme une valeur ajoutée si seulement nous savons élargir notre assiette fiscale. Parce que plus vous avez de la population, plus on peut transformer ces populations-là comme de véritables contribuables afin de gonfler notre enveloppe financière de la commune. Et donc, nous pensons qu'avec les unités économiques qui existent déjà au moyen de la commune, il est fort possible de développer la commune avec notre vision qui sera imprimée à travers ces documents qu'on appelle le rêve communal. On va parler cette fois-ci de la politique qui reste dominée par la feuille de route dévoilée par la CENI. Denis Kadima et l'ensemble de son bureau nous ont présenté la feuille de route, mais il y a quelque chose qui a dérangé l'opinion. Denis Kadima soulève déjà la question des contraintes. Et pour les communs des mortels, Kadima est déjà sur la voie des Corneille Nama qui nous avait habitués à les doléances, Nama qui ne faisait que se plaindre. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens. D'une manière globale, comment trouvez-vous à ce jour les préparatifs par rapport aux élections? D'abord, pour mieux répondre à cette question, je voudrais placer un petit bémol, hein, un accent de précision pour éclairer justement la lanterne par rapport à cette question électorale. Vous savez, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive au sein de microcosmes politiques de notre pays. D'abord, la première des choses qu'il faut retenir, la CENI en tant qu'organe technique, la CENI n'a pas une indépendance absolue. L'indépendance de la CENI est relative parce que la CENI comme organe, elle ne s'arrête que sur les questions spécialement électorales. Mais en ce qui concerne l'indépendance financière, cette question relève effectivement de l'apanage du gouvernement. En ce qui concerne la sécurité électorale, cette question relève de l'apanage du gouvernement qui est considéré d'ailleurs comme le premier partenaire de la CENI. Parce que quand on parle de la CENI, on parle des élections. Quand on parle des élections, on parle du contentieux. Et lorsqu'on parle du contentieux, cette fois-ci, on se retrouve dans la sphère judiciaire de la Cour constitutionnelle qui est considérée comme le deuxième partenaire de la CENI. Deuxième de chose, nous ne devons pas confondre la feuille de route avec le calendrier électoral. La feuille de route, au fait, constitue de grandes lignes que le président de la CENI, Denis Kadima, a essayé de définir, mais aussi, cela constitue une sorte d'alerte que le président de la CENI lance vis-à-vis de ses partenaires, en l'occurrence, le gouvernement de la République. Ça, c'est la première des choses. Alors, lorsqu'on parle du gouvernement de la République, vous savez, nous avons un exécutif à caractère bicéphale. C'est-à-dire, nous avons d'une part le président de la République et de l'autre côté, nous avons le gouvernement. Mais quelle a été l'attitude du président de la République en ce qui concerne les élections déjà pointées à l'horizon 2023? Le président l'a dit, qu'en 2023, nous aurons bel et bien les élections. Ça, c'est un premier signe d'assurance, parce que ce propos vient de numéro un, le garant de bon fonctionnement des institutions de la République, les gardiens de la Constitution, et donc le président de la République devra s'impliquer bec et ongle pour rendre son discours possible. La deuxième de chose, parce qu'on parle du gouvernement, mais allez scruter les documents, la documentation qui existe au niveau du ministère de budget. Aujourd'hui, pour l'exercice 2022, il y a une bagatelle financière prévue pour les élections de 2023 en termes de 500 millions de dollars. 200 millions de dollars pour le recensement, parce que le recensement est aussi prévu dans le cadre de cette échéance électorale, parce qu'on veut d'abord connaître le nombre de la population que nous avons pour nous permettre effectivement d'avoir des données exactes par rapport à l'organisation des élections. Cet argent est prévu. Alors, qu'est-ce qui a été prévu dans la ligne budgétaire en ce qui concerne le fonds qui devrait être affecté pour l'organisation de la CENI? Il y a la rubrique répartie en termes de 5 blocs.
selon le 200 millions de dollars chaque année pour finalement avoir 1 milliard de dollars chaque après 5 ans en vue d'organiser les élections. Alors, restons dans l'orthodoxie, dans un raisonnement tout à fait normal. Si aujourd'hui le ministère du budget nous dit qu'il y a, en termes de prévention budgétaire, de prévention financière, 500 millions de dollars dans le système de gestion financière de l'État, cela voudrait dire que pour la première année, nous avons déjà encaissé 200 millions de dollars. Pour la deuxième année, nous avons encaissé 200 millions de dollars pour que ça fasse 400 millions de dollars. Et aujourd'hui, nous sommes en plein exercice 2022 et donc nous avons déjà 100 millions de dollars. Ce qui veut dire le parcours en termes des efforts financiers du gouvernement est une prouesse que nous devons saluer. Mais attention, le président de la CENI, il a tout intérêt de rappeler aux gestionnaires de la République que vous devez, au-delà des efforts que vous avez déjà réalisés, vous devez encore augmenter les efforts parce que le temps avance. C'est en cela que le président de la CENI a tenu son discours en termes d'alerte pour rappeler à l'ordre les gestionnaires de la République. Au-delà des contraintes financières, le président de la CENI, il a aussi évoqué d'autres contraintes liées par exemple à la question de la sécurité. Oui, nous parlons des élections inclusives, participatives, crédibles et transparentes. Est-ce que vous serez d'accord, vous et nous, acteurs politiques, détenteurs de la chose publique de l'État aujourd'hui, en face de nous, il y a ceux qui assurent le contrepoids du pouvoir, les opposants autant pour ceux de la société civile, vous serez d'accord qu'on aille aux élections tout en mettant de côté la zone de la partie est de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en plein état de siège. Il y a encore la recrudescence en termes des tueries de Congolais qui continuent par les assaillants, le groupe rebelle, les terroristes, etc. Et donc, le président de la CENI, dans ce contexte plus précis, il a l'obligation de dire au gouvernement de fournir assez d'efforts pour assurer la sécurité afin de permettre à la CENI d'organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national. Et cette question-là relève de la responsabilité et du gouvernement et de la CENI. Et c'est comme ça que le président de la CENI, Denis Kadima, a évoqué ce genre de contraintes. Et la dernière contrainte, c'est la contrainte liée aux aspects juridico-politiques. Vous savez que jusque-là, la plus grande question relative à l'organisation crédible des élections ne sont pas encore répondues. Notamment la question sur le seuil électoral, la question sur la machine à voter. Vous vous souviendrez que cette machine à voter a fait l'objet de beaucoup d'encre et de beaucoup de salive. La loi électorale avec autant de griefs. C'est-à-dire, il faudrait que les acteurs politiques, autant pour ceux du pouvoir que ceux de l'opposition politique, se retrouvent autour d'une table. Et là, on parlerait de l'opposition parlementaire parce que le débat sur cette question de la loi électorale est un débat parlementaire et au niveau du Parlement, c'est la loi de la majorité absolue qui va s'ériger comme la règle du jeu. C'est-à-dire, on attend à la reprise des activités parlementaires, la session de mars, je pense, la question sur la réforme de la loi électorale, ça sera comme la question de priorité pour effectivement nous aider à avoir une loi qui va répondre à toutes les préoccupations posé par les acteurs politiques. C'est par là que nous allons effectivement frayer un chemin aussi normal pour avoir des élections crédibles dans notre pays. Par le président de la CENI, vous l'avez peut-être oublié, Covid-19. Alors là, sur ces points, c'est pratiquement, disons, la classe politique au niveau de l'opposition n'est pas d'accord avec Denis Kadima. Parce que pendant toujours cette période de pandémie, on a vu ici en face, disons, la République du Congo organiser des élections, en Côte d'Ivoire on a tenu des élections, au Niger, presque beaucoup de pays d'Afrique ici, on a organisé des élections en dépit de la pandémie. Alors en quoi, en RDC, cette pandémie doit s'ériger en obstacle pour qu'on ait les élections dans les délais? D'abord, il faudrait en toute responsabilité en tant qu'acteur politique, leader d'opinion, nous ne devons pas regarder avec dédain l'aspect de la Covid-19 parce que la question de la santé est une question prioritaire. La santé vaut plus les élections. La santé vaut plus la CENI. La santé vaut plus que nos clivages et nos tendances politiques. Et il s'agit, s'il vous plaît, il s'agit de la santé. Il s'agit de la santé. Il s'agit de la santé. Non, moi je pose juste le postulat. Je pose mon postulat pour vous faire voir que la santé n'a pas de prix. Ce qui veut dire quoi? Sur cette question de santé publique relative à
la question de Covid-19, il est tout à fait normal que le président de la CENI revienne là-dessus. Parce que ça relève justement des questions de sécurité électorale. Parce que quand on parle de la sécurité électorale, on ne voit pas seulement le côté armé, comme j'ai évoqué le problème de la guerre de l'Est. Il y a aussi la sécurité électorale en termes de protection de matériel de la CENI. Et cette sécurité électorale est assurée par la police nationale congolaise. Et ici, on parle de la sécurité sanitaire de la population congolaise, ces électeurs-là qui viendront vers les bureaux de urnes. Quelles sont les stratégies, les mécanismes que nous avons mis en exergue pour assurer une élection aussi dans la paix, dans, la, dans le calme, dans la sécurité des centaines de Congolais. Ça relève quand même de préoccupations aussi régaliennes. Non, mais justement, je vous ai dit que le président de la CENI n'a fait qu'interpeller les responsables de la République. Quant au ministre de la Santé publique, de regarder sur cette question et rassurer à la CENI qu'effectivement, nous pouvons aller aux élections tout en protégeant les citoyens congolais contre cette pandémie de Covid-19. C'est une question que Kalima devrait exposer comme ça sur la place publique, où il pouvait, de manière peut-être privée, saisir le ministre de la Santé ou le gouvernement à travers des correspondances. Non, mais Kadima, écoutez, au-delà du fait que Kadima considère le gouvernement congolais comme son premier partenaire, la Cour constitutionnelle comme son deuxième partenaire, mais attention, le partenaire majeur de la Commission électorale nationale indépendante, c'est la population congolaise. Nous sommes dans un cadre démocratique. Ces élections constituent effectivement l'ingrédient de base pour l'effectivité de la démocratie dans notre pays. On dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire, le premier partenaire auprès de qui la CENI devra rendre le compte, c'est la population congolaise. Et donc, si les contraintes existent réellement, c'est par là que le président de la CENI, Dedy Kadima, devrait s'adresser effectivement au peuple et autant aux compétiteurs des élections, c'est-à-dire l'opposition et la majorité, autant pour la société civile, pour qu'ils se rendent compte effectivement des vraies réalités qui entourent le secteur électoral dans notre pays. Je vous ai dit au prologue de mon intervention, les discours de Dedy Kadima est considéré simplement comme une sorte d'alerte. Il est en train de vouloir booster le gouvernement à pouvoir disposer des moyens nécessaires pour avoir des élections crédibles. Parce qu'on ne veut pas à tout moment, après les élections, qu'il y ait les débats autour de vérité des urnes, le débat des légitimités, des crises politiques récurrentes. Ça ne sert à rien. Déjà que nous avons aujourd'hui fait un pas des géants en termes de patrimoine démocratique que nous devons sauvegarder à bon escient. Et donc, nous devons aussi développer en termes de culture et des comportements démocratiques. Je parle de nous en tant qu'acteurs politiques et donc nous devons évoluer. Mais pour évoluer, effectivement, il faudrait que chaque composante de l'État joue sa partition. Et ici, l'État a tout intérêt de jouer la plus grande partition parce que le gouvernement congolais tient pratiquement le bâton de commandement en ce qui concerne le bon déroulement des élections dans notre pays. Kadima et les bureaux de la CENI ont des entrées dans toutes les ports, dans toutes les institutions. Alors si l'alerte telle que vous le dites devrait être faite, est-ce que ça doit avoir lieu avant la concertation entre la CENI et ses partenaires ou ça doit intervenir après? Je vous ai dit que ce que nous devons faire dans le cas sous examen, c'est de ne pas de confondre le calendrier électoral avec la feuille de route. Je vous ai dit que la feuille de route est un moyen pour le président de la CENI de définir comment sera la trajectoire électorale dans notre pays. En posant le base avec le contrainte réelle qui existe pour interpeller effectivement les responsables du gouvernement afin de tenir compte sur tous les aspects évoqués par le président de la CENI. Ce qui est tout à fait normal. Parce que et le président de la CENI et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autant pour le peuple congolais, tous nous voulons des élections crédibles, des élections transparentes, des élections participatives et des élections inclusives. Et donc pour y arriver, il faut baliser le chemin, il faut tenir compte de préalables qui existent. Et donc, aujourd'hui, ce que Dedy Kadima fait, je pense, cela relève de sa mission régalienne
en tant que président d'une institution à vocation démocratique, il doit sauvegarder les acquis de la démocratie. Et donc, nous devons évoluer. Point n'est besoin de faire la polémique là-dessus, sur cette question-là. Point n'est besoin de se diviser sur deux questions parce que nous devons sauvegarder les acquis de la démocratie que nous avons acquis. Que nous avons obtenu avec le condition le plus piètre. Très bien. Pour certains, comme ma balise déjà les semaines pour la convocation d'une table ronde. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une spéculation. Une simple spéculation dépourvue d'un contenu, moins encore des informations fiables. Nous ne pouvons que s'assurer de propos qui viennent du président de la République, le numéro un de toutes les institutions de la République. Et le président a dit en 2023. Nous aurons bel et bien les élections. Quant à toutes les machines politiques, de s'apprêter maintenant, de se préparer maintenant, parce que nous, déjà au sein de l'Union sacrée de la Nation, nous sommes en train d'activer nos machines. Nous, le mouvement volontaire de la République, nous sommes en train d'activer nos machines pour aller aux élections. Parce que le meilleur rendez-vous, c'est le rendez-vous électoral. C'est le rendez-vous entre le dirigeant et le peuple congolais, c'est le rendez-vous de la sanction, parce que si le peuple n'est pas d'accord avec notre gestion de la République pendant ce premier quinquennat, le premier mandat que le peuple nous a octroyé en termes de quitus électoral, le peuple va nous sanctionner lors de ces élections de 2023. Et donc, les élections constituent pour nous les meilleurs rendez-vous pour avoir véritablement le pouvoir. Et donc, les gens qui ne veulent pas des élections en réalité, ce sont là les suspects. Ce sont là des gens qui viennent avec des stratagèmes de coup d'État. Ce sont des gens qui veulent récupérer le pouvoir par un autre moyen que celui des élections. Nous, nous voulons les élections parce que c'est par les élections que le peuple congolais va devoir imposer son veto en tant que souverain primaire. Très bien, toujours au chapitre des élections, au niveau de l'Union sacrée, il y a Félix Tshisekedi, le président de la République, qui s'est prononcé déjà pour un deuxième mandat. Il a aussi bénéficié, ou il bénéficie déjà du soutien des quelques partenaires au niveau de l'Union sacrée. Mais pendant ce temps, il y a Moïse Katumbi, qui, à mon avis, fait un double jeu. Il est avec lui dans l'Union sacrée, en même temps dans l'opposition. Vous avez suivi dernièrement la déclaration des députés progressistes. Ils appartiennent ensemble pour le changement. Bon, Ensemble pour la République, ça prête aussi à confusion. Et ils estiment qu'au niveau de leur plateforme politique, il n'y a pas sincérité. La prise de position de leur leader met à mal l'avenir de l'Union sacrée. Comment, à ce jour, on doit gérer les cas Moïse Katumbi au niveau de l'Union sacrée? Vous avez utilisé le terme approprié dans votre raisonnement. Vous avez dit que c'est quelqu'un qui joue le double jeu. Alors, celui qui joue le double jeu peut être considéré comme un dissident dans une famille politique. Moïse Katumbi, comme leader d'un regroupement politique aussi important, Ensemble, parce que Ensemble régorge autant des députés nationaux qui constituent la majorité parlementaire formant l'Union sacrée comme regroupement politique de fait. Mais ce qui est encore contradictoire, Moïse Katumbi, comme membre des Ensemble, qui partage la même vision avec notre locomotive politique qu'on appelle le président de la République, mais en même temps, Moïse Katumbi est en porte-à-faux contre la vision du président de la République. En même temps, Moïse Katumbi se réclame comme un opposant, ce qui ne serait pas logique. Restons un peu dans l'orthodoxie politique, les raisonnements du politiquement correct. Comment Moïse Katumbi peut se considérer comme opposant alors que Moïse Katumbi, comme Ensemble, a des ministres au sein du gouvernement de Tshisekedi? Il y a des députés qui sont contre, qui sont déjà là. Et donc, vous allez vous rendre compte que ça, c'est un nouveau modèle politique imprimé par M. Moïse Katumbi. C'est pire encore, il les explique de partager votre bilan. Non, mais vous l'expliquez aussi bien que moi, d'ailleurs. Cela dénote simplement que cet acteur politique aujourd'hui fait preuve de manque d'honnêteté politique. Il fait preuve de la jalousie politique. Il fait preuve de quelqu'un qui veut injecter le conflit d'autorité politique. Qu'à cela ne tienne, c'est un acteur politique. On ne peut pas lui extirper ses droits civiques et politiques. Il a le droit de s'opposer à M. Tshisekedi. Il a le droit de dire non à l'Union sacrée de la nation. Mais ici, c'est la question d'assumer les responsabilités en tant qu'acteur politique. Si vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec Tshisekedi, sortez de l'Union sacrée de la nation. Il n'y a pas mieux que ça. C'est tellement simple. Sortez de l'Union sacrée de la nation. Parce que l'Union sacrée de la nation, comme famille, comme regroupement politique, est régie par des valeurs, notamment les valeurs de l'unité, de solidarité et de convivialité politique.
Quand vous n'êtes pas d'accord avec M. Tshisekedi, sortez de l'Union sacrée, un peu comme Mbosso disait, de quitter les groupes armés, quitter l'Union sacrée de la nation. C'est comme ça que nous nous disons, moi je le dis comme responsable du mouvement politique Le Volontaire de la République, si M. Katumbi, dans un délai que nous allons lui donner en termes de, d'embargo, en termes de... nous allons faire un discours pour dire à M. Katumbi de quitter l'Union sacrée, de quitter le bateau. Mais pourquoi? Non, mais parce que Katumbi est un dissident. Katumbi est un intrus, c'est un infiltré. Il a toujours dit que Tshisekedi, c'était son frère. Non, mais écoutez, ça, c'est un discours de farcelu, un discours des hypocrites. Et aujourd'hui, il suffit seulement. Non, mais écoutez, qui a trahi, trahira. On connaît les attitudes, le comportement de M. Katumbi avec son ancien partenaire. Aujourd'hui, il veut pratiquement reproduire la même chose dans le contexte de l'Union sacrée de la nation. Alors, on parle de l'Union sacrée de la nation et donc nous avons besoin des acteurs politiques dignes à la sacralité des responsabilités publiques. On va traiter l'élection par là. Comment vous devez gérer les cas Katumbi aujourd'hui? Katumbi va quitter l'Union sacrée de la nation. Et nous d'ailleurs, moi Manix Ienda, je considère Moïse Katumbi comme l'opposant de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je considère Moïse Katumbi comme opposant sur le même diapason que Martin Fayoulou, Adolphe Mouzitou et Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, on venait d'assister à ces scénarios aussi nauséabonds de coup d'État contre, de tentatives de coup d'État contre le président de la République. Or, tous en tant qu'acteurs politiques, compétiteurs de la règle démocratique, du jeu électoral, c'est-à-dire nous avons l'ADN et la nature démocratique. Notre système, c'est le système des élections. Dès lors que nous avons entendu que le président de la République a fait l'objet des tentatives d'un éventuel coup d'État, je pense que la posture de tout acteur politique responsable serait de monter au créneau et de dire haut et fort que nous sommes contre le coup d'État. Parce que si le coup d'État est rendu effectif, qui sera le président? Moïse Katumbi? Joseph Kabila? Martin Fayoulou? Adolphe Mouzitou? Ça, ce sont des questions que je me pose. Et donc, et Katumbi, et Kabila, et Bemba, et Vital Kamerhe, autant pour les autres ténors de la sphère politique de notre pays, ils n'ont pas intérêt à vouloir un coup d'État parce que le coup d'État ne sera pas à leur bénéfice. Et donc, aujourd'hui, nous tous, ensemble, nous devons nous regarder vers la même direction. Et la direction, ici, c'est le rendez-vous entre le dirigeant et le peuple. Aux élections de 2023, c'est ces jours-là que nous allons effectivement se rendre compte du poids politique de tout à chacun. Et donc, Katumbi, quitter l'Union sacrée de la nation. Ça va de votre dignité et personnalité en tant qu'acteur politique. Évitez les jets de l'hypocrisie. Katumbi, quitter l'Union sacrée de la nation. Vous faites un peu comme les katumbistes aussi. Pas du tout, moi je ne veux pas être comme Moïse Katumbi. Avec les communicateurs du changement, vous avez été ce matin, vous avez été, vous êtes encore dans comment positif actuellement, on vous voit avec les volontaires de la République. C'est pratiquement la même chose que les katumbistes. Pas du tout, pas du tout. La transhumance dont on parle en termes de mobilité des personnes physiques quittant un regroupement politique X ou Y, moi je ne fais pas partie de cette transhumance-là. Mmh. Parce qu'en termes d'idéologie, des constances, des valeurs, Manix Ienda Bofaya reste inamovible. Je reste là en termes de valeurs et ma loyauté, ma fidélité pour le président de la République se justifie par des valeurs, de principes et des credos démocratiques qui constituent pour nous des véritables règles de jeu pour réguler l'appareil public de l'État. Et donc, je ne soutiens pas le président Tshisekedi pour des raisons autres que les raisons républicaines. Je ne soutiens pas M. Tshisekedi simplement parce qu'il est du Kasaï ou encore il est de l'UDPS. Je soutiens Tshisekedi parce que nous partageons pratiquement les mêmes valeurs sociales démocratiques. On comprend que vous êtes un peu comme un joueur de football. L'équipe nationale reste la même. Les clubs, on peut les changer à tout le monde. Je vous le concède. Cette émission est terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.